Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est vendredi. Martin va chez la nounou. On est à la bourre. Pourtant il s'est réveillé à 7h30, il a fait une super nuit. Une super nuit, c'est-à-dire sans réveil. Mais on n'a pas réussi à être à l'heure. Tant pis, il faut que je me change parce que je vais au sport après. Et je me suis tout tachée en prenant mon petit déj. Youps. Donc je vais me changer. Bon, j'ai mis ce petit haut, faut que je retrouve mon sac de soir, je sais pas où il est. Bon, je suis arrivée à la salle, je suis à Basic Fit, j'ai repris la même salle qu'avant, ça fait un moment que je suis inscrite, enfin 2 mois je pense. J'y vais au minimum 3 fois par semaine. Donc voilà, je vais faire ma séance, j'ai fait bras lundi, mercredi j'ai fait les jambes. Là je sais pas si je fais, je vous expliquerai peut-être un coup ma séance, mais j'ai toujours la même routine. Mais je sais pas si après je cible les abdos là peut-être aujourd'hui, ou alors je fais que cardio, j'aime trop le cardio aussi, donc on verra. Après mon copain a oublié sa carte et tout, et il pourra pas manger sinon il est au taf là. Et donc faut que j'aille lui amener sa carte et tout, ça m'arrange pas parce que j'ai beaucoup de boulot. Mais bon voilà, par amour on fait tout. Bref, j'y vais. Bon, je suis rentrée, il est 11h30, le temps que je fasse l'aller-retour, ça m'a perdu un temps fou cette histoire, mais bon, c'est pas grave. Je vais manger, j'ai la dalle. Hier, j'ai fait une quiche Lorraine, je vais manger ça, je pense, avec des haricots verts. Tout simple. Et après, j'ai beaucoup de taf, donc faut que je m'y mette assez rapidement, quoi. Parce que là, du coup, la matinée est déjà presque passée, quoi. 11h30, le temps que je mange, ouais. Je vous reprends, il est midi et quelques. Midi 30. J'ai mangé en live. Là, je prends mon dessert, j'ai fait des pommes avec des pépites de chocolat. Et voilà, je vais manger rapidement pour bosser. Il faut vraiment que je bosse. Je voulais filmer une vidéo pour mardi, mais j'avoue, j'avais pas trop d'idées. Enfin, en fait, j'ai des idées, mais pas à réaliser comme ça. Là, je voulais une vidéo plus blabla. J'avais besoin de parler et j'ai trouvé. J'ai trouvé une idée de vidéo qui a pas de concept. Juste, je vais parler avec vous de deux sujets en fait qui me tracassent depuis un petit moment. La première, c'est que je me soigne plus pour mon lupus. Je me soigne plus contre mon lupus pour plusieurs raisons, et du coup j'avais besoin d'en parler, voire avoir des retours. J'en ai parlé un peu en live et ça m'a fait du bien de me sentir soutenue là-dedans. Et la deuxième chose qui se passe tout le temps en live et voilà, qu'on me reproche d'être fatiguée alors que je ne le suis pas, juste parce que je suis naturelle. Et c'est deux sujets que j'ai envie d'aborder. Je ne savais pas comment l'aborder, je l'aborde beaucoup en live. Et là je me suis dit, je vais faire une vidéo blabla, avoir vos retours, savoir ce que vous en pensez. Vraiment un truc entre copines. Faut que je me maquille aussi. Enfin, j'ai envie de me maquiller parce qu'il faut pas, mais j'ai envie de me maquiller pour après faire du contenu TikTok et tout. Donc je vais en profiter. Je vais faire tout ça en vidéo, en discutant avec vous quoi, comme des copines et des copains. Sinon j'ai fini de monter le vlog de ce soir, j'ai fait la miniature, tout est en train de s'importer. Donc ça c'est nickel, c'était le plus urgent à faire. Et là du coup je vais filmer ma vidéo, voilà. Bon du coup je me suis lavée, là je vais me maquiller et filmer du coup la vidéo. Et voilà, hop, on va discuter un petit coup et puis du coup vous retrouverez cette vidéo mardi. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 fois que je vous retrouve ici, mais en fait je suis trop bien dans ma chambre, en mode vraiment tranquille, le truc, le lit à moitié fait et tout. Je suis vraiment bien et je vous l'accorde, vous m'avez déjà vu dans un meilleur état que celui-ci. Aujourd'hui on va faire une... j'ai réfléchi. Je vous jure, hein, pendant 10 minutes j'ai réfléchi au nom de cette vidéo. Et à tout moment cette vidéo n'aura toujours pas de nom parce que je me souviens plus comment ça s'appelle, ce concept. Concept où on se maquille en parlant de notre vie. Dit comme ça, je vous jure, ça donne très peu envie. Mais j'avais trop besoin de vous parler en mode copain-copine. Quand il y a moyen, on pine. Enfin non, ça non, mais... Et donc bah voilà, je me suis dit, je vous prends comme ça, on discute. J'avais envie d'aborder 2-3 sujets. Enfin 2 sujets surtout. 2. Comme ça, qui n'ont rien à voir l'un à l'autre, genre vraiment le fil directeur, fil conducteur, la ligne directrice va être très peu là. Mais bon bref, hein, on va se maquiller, on va se mettre sur son 31 comme ça, j'avais envie de prendre du temps pour moi. Donc d'une pierre deux coups, on fait une vidéo. Je pense que ça fait déjà 10 minutes que la vidéo tourne, je n'ai pas dit un mot intéressant. Je vais battre Amixem sur l'intro la plus longue là je crois.
Bon, j'ai les cheveux encore mouillés, mais j'ai filmé la vidéo. Je vais pas prendre le temps de les sécher parce que j'ai pas mal de boulot. J'ai trouvé plein d'idées de recettes et de concepts de recettes sur Insta. Je suis trop contente. Sur ce, là, je vais... je sais pas. J'ai plusieurs trucs en tête. Je vais voir le programme le plus stratégique pour tout faire aujourd'hui. Mais j'ai une recette à filmer. J'ai des contenus à faire pour Insta. Bref. Bon, du coup, je vous reprends. Là, il est 15h et quelques. Je vais faire ma recette pour mercredi. J'ai trouvé une idée de recette. Je vais faire des choux fourrés la purée de potimarron avec du fromage. Je voulais faire avec du chèvre, mais j'en ai pas. Donc, du coup, on va faire avec les moyens du bord. Je vais préparer tout ça. Et voilà, faut que je me dépêche parce que après, il va falloir que j'aille chercher Martin. Mais je suis contente de mon idée. Je reviens pour une nouvelle recette. On va faire des petits choux au potimarron et au cumin. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Est-ce que ça choque quelqu'un? Je ne pense pas, mais j'ai encore oublié de finir ce vlog. C'est vrai que les soirées se ressemblent et ça passe toujours très vite. Je m'occupe de mon fils, je profite avec mon copain, voilà, je couche mon fils, je mange et je travaille un petit peu et je dors. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai pas trop pensé à filmer. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous retrouve mardi du coup pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time